tous ceux qui ont participé à cette exposition et qui sont venus d'assez loin, d'avoir fait l'effort de venir, et puisque c'est surtout à travers vos regards que ma peinture finalement existe vraiment et qu'elle prend tout son sens. Ma peinture est liée aux rencontres, et là notamment elle est liée aussi à mon histoire d'enfance, puisque quand j'étais enfant je venais dans la région, et Bernard Poitou a réhabilité un certain nombre de cabanes, a participé à la réhabilitation avec une association, et m'a fait visiter à toutes les saisons ces cabanes, et qui ont énormément de charme, qui ont une structure extraordinaire, et elles sont pleines de poésie, elles connotent beaucoup de choses, et surtout ces peintures permettent de garder en mémoire le passé. Voilà, c'est important déjà, ne serait-ce que pour ça. Ensuite, elles m'ont permis de m'exprimer pleinement. Et ces cabanes, c'est à la fois un refuge, un abri, un passage, l'idée du dedans, l'idée du dehors, un endroit obscur qui peut parfois faire un petit peu peur et qui leur donne au fil du temps une dimension poétique, parfois même presque surréaliste. Donc voilà, c'est une thématique qui m'a vraiment enthousiasmé. Et Bernard avait fait une exposition photographique avec des explications. Et en résonance à cette exposition, j'ai fait un certain nombre de peintures, donc quasiment une trentaine de toiles et quelques carnets de voyage qui ont été déjà exposés à Tourcoing dans le Nord. Et voilà, ça faisait un bel ensemble. Et je suis ravi d'avoir été aussi bien accueilli ici. Et puis j'ai adoré votre prestation, les danseurs, la musique. Ça nous laissera un bon souvenir, c'est vraiment un très bon moment. Vous savez que l'artiste est en général seul, bien seul dans son atelier, et je n'avais pas envisagé cette dimension humaine qui va bien au-delà. Et la peinture a ce pouvoir extraordinaire et cette capacité d'émouvoir. Vous savez qu'étymologiquement, émouvoir, c'est mettre en mouvement. Et vous voyez, donc vous êtes venus très nombreux, la peinture joue ce rôle de nous rapprocher finalement, et je trouve que c'est sans doute ce qu'il y a de plus important. Et j'aime bien cette idée de Malraux qui disait que l'art est finalement le plus court chemin de l'homme à l'homme. Voilà, je vous remercie beaucoup.